Mon père est venu ici avec ma mère, quoi. Et puis, ma foi, vous voyez, ben. Ils se sont mariés, ils sont venus habiter ici. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé à Savelot, moi. Eh bien, j'ai connu le chanvre, moi, avec mon père, quand, dans les années de la guerre, en 1939 à 45. Et on a eu une grande chance. Pendant la guerre, personne ne pouvait se servir de lieuse pour couper son grain, son blé, que ce soit n'importe quel espèce de grain. Il ne pouvait pas avoir de ficelle ni rien du tout. Et c'est moi qui faisais la ficelle. Alors, j'ai commencé pour faire de la ficelle avec un vieux rouet d'autrefois qui marchait au pied. Et puis, un bonjour, je dis, ça va pas, quoi. Je pouvais plus y arriver. Alors, j'ai décidé de... Il y a un moteur électrique que j'avais là, qui tournait... J'avais monté une boîte de vitesse de voiture dessus. Et je descendais de là jusqu'en bas. Je faisais 100 mètres de fil à chaque fois. Puis on y nouait. Alors c'était maman, elle faisait les platons, comme on disait, en 40, 41, 42, 43, 44, on a tout coupé notre grain avec du fil que les vieilles grand-mères avaient fait autrefois. Oui, il y en avait, c'est les vieilles grand-mères qui avaient fait ça dans l'antan, hein. Eh bien, il y a un voisin là qui en avait eu, qui avait un métier pour faire de la. De l'étoffe, quoi. Des draps pour faire. On faisait ce qu'on voulait avec, quoi, quand c'était fait. Il faisait de la toile pour faire des draps, pour faire. Des chemises, des culottes, des gilets, des machins comme ça. Je vais vous dire une affaire, moi. Il y a mes grands-parents à plancher. Jamais je n'ai aussi bien dormi l'été que l'hiver dans des draps faits en chanvre, moi. Alors je tombe dans le dodo, moi, hop, c'était terminé. Eh bien, ma foi, écoutez, on élaborait comme pour faire notre grain ou les pommes de terre ou les machins. Et puis, ma foi, on se met de la graine. Puis on en mettait... Guerre, parce que ça pullule, hein. On en faisait quoi, grand comme la grange à peu près ici. Vous voyez? Et puis, ma foi, on arrachait, quand le chanvre commençait à jaunir un peu, là, et on faisait ça, on l'arrachait. Mon père dit, allez, garçon, on va arracher du chanvre. Puis on mettait ça par bouquet comme ça. On y attachait à peu près à cette hauteur-là, avec une ficelle. Puis quand ça a été attaché, on en mettait une deuxième là, et puis on mettait ça trempé dans la rivière pour que l'écorce du chanvre se décolle de dessus, le bois du chanvre. Alors quand ça avait trempé une huitaine de jours, eh bien, on le mettait en éventail, quoi. On y attachait là, et puis on y mettait un rond comme ça. Et puis quand il faisait beau, ben ma foi, ça séchait gentiment. Puis c'était bon. Et puis dans l'hiver, eh bien ma foi, quand il y avait de la neige, mon père le taillait. On prend ça, on met ça dans le doigt, comme ça. Et bzioup, il s'étire tout. C'est les vieux grands-pères qui récupéraient le bois à l'intérieur. C'était pour allumer leur pipe le soir. Et après, quand on en avait assez, on faisait des petits margotins gros comme ça.
Puis non, comme ça. Alors c'était pour allumer le feu, pour faire chauffer le café le lendemain matin. Alors, un petit margotin comme ça, deux, trois poêles de chanvre autour, et puis ça y était. Ça y était. On prenait du chanvre, qui était, enfin, du chanvre, et puis on... pour l'adoucir, quoi. Quand c'était, quand ils voulaient faire du fil, des machins comme ça, ils commençaient par, comme ça, vous voyez, ils peignaient le chanvre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand c'était peigné, tout ça, on y arrangeait du mieux que l'on pouvait. Ben oui, on mettait ça dans des boches sur le grenier. Puis il faut ça rester comme ça, quoi. Puis quand on avait besoin de faire des cordes, des machins comme ça. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à la culture, à l'élevage avec mon père. Et après, je me suis marié en 1947. Puis il m'a fait, que voulez-vous? Je suis parti sur ma branche, moi, l'entreprise de battage, le débardage de coupe de bois. Et puis, j'ai vu un bon jour que ça ne pouvait plus aller. J'avais le dos pourri, hein, à force de traîner des charges de bourricot. Je faisais 3 000, 3 500 stères de bois tous les ans. Et moi tout seul. Et moi tout seul. Et puis, je me suis lancé carrément à l'élevage. Ici, j'ai commencé en 64, et puis je suis monté. En 1985, j'avais 34 vaches de veau. Oui, 30 vaches blanches et 4 vaches noires et blanches. Ben ma foi, moi j'avais 17-18 ans. Tous les matins, je montais du ravitaillement. Je montais du ravitaillement que je prenais là-bas, la petite gare de Queuzon, là. Puis je montais ça aux cuisines du maquis. Deux chariots tous les jours, avec trois juments. Puis quand il y avait du charroi de parachutage, ben, ma foi, il fallait rentrer à 2-3 heures de l'après-midi sans avoir bouffé, quoi. Le matin, là, c'était... je ne sais pas quelle heure, moi. 8 heures le matin. D'un moment où il y avait un parigo qui était là chez nous. On dit, ça va être un parachutage, ça, de libération. Hein? Parachutage. 8 bombes qui sont tombées là-haut à la montagne. Hein? La deuxième bombe qui est tombée là-haut, dans le bois, eh ben, les vaches se sont couchées dans le chemin. Quand elles ont entendu le clac-clac, le déclenchement de la porte pour expulser la bombe, les vaches se sont toutes couchées dans le chemin, dans l'ornière. On dit les bêtes, c'est pas si bête que ça.